Cette rue, terminée en 1610, fut construite sur des terrains entièrement gagnés sur la mer. Elle reçut le nom de Bourbon, car c'était le nom de famille des rois de France. Le service du livre est un service qui travaille avec vos bibliothèques de CE, puisque vous savez, le comité central est une émanation des 31 CE qui existent maintenant. La suite, je ne sais pas ce que ça va donner, mais nous le verrons ensemble. En tout cas, ce service travaille évidemment énormément avec les CE, et vous l'avez entendu dans le petit film qui est passé juste avant, avec les bibliothécaires évidemment des CE. Ce sont des partenaires privilégiés, voilà, des collègues d'ailleurs, hein, ce sont nos collègues sur le terrain qui font un travail de fourmi pour apporter au plus près des cheminotes et des cheminots le livre et la lecture. Gislain Heinein qui va donc nous lire le poème qui vous a été
présentés tout au long de la semaine. Vous avez pu élire celui qui vous plaisait le plus. Donc c'est bien le vote des cheminots, hein, une nouvelle fois, qui va s'exprimer. Et Ghislain, avec sa voix douce et sensuelle, va vous livrer le gagnant de ce jour. Je m'appelle Arnaud, je viens de Nîmes. Je fais rouler mon chariot, je vois beaucoup de monde. Je traverse la galerie, je croise des visages, de la musique, une différente dans chaque boutique. C'est beau toutes ces couleurs, toutes ces ambiances. Je m'arrête, je fais mon travail, je repars. Je m'appelle Arnaud, je viens de Nîmes. Les gens passent, me dépassent, ne me demandent rien. Je marche seul, envers et contre tous. Les gens marchent sur mon travail. Je vous présente mes fioles, mes flacons, mes balais, mes serpillères. Je m'appelle Arnaud, je viens de Nîmes. Je suis Arnaud, je viens de Nîmes. Je suis Arnaud de Nîmes. Arnaud de Nîmes. Arnaud, Nîmes. Ah, nous, Nîmes. Ce prix du second roman, moi je le vois essentiel parce qu'il est fait par les cheminots, qu'ils soient actifs ou retraités, vous l'avez vu dans le petit film, soit par le vote de ceux qui n'ont pas pu participer au jury, soit par ceux qui ont participé au jury, mais avec un élément essentiel, quelle que soit notre région, quel que soit le métier, quel que soit notre grade dans l'entreprise, eh ben, l'envie de lire est plus forte que tout, et l'envie de lire dépasse nos différences dans l'entreprise. Quels éléments moi, qui me semblent essentiels aujourd'hui? Le comité central est la seule institution, mais aussi la seule structure aujourd'hui qui rassemble l'ensemble de la famille cheminote. C'est pas petit dans un monde où on cherche à nous diviser. D'abord, on nous a divisés en trois épiques lors de la dernière réforme, et puis on nous divise en activités, et puis on nous divise aussi d'abord essentiellement entre actifs et retraités. On nous divise par nos métiers, par nos activités, etc. Et le CCGPF, nous, on ne s'occupe pas de ça. Nous, on rassemble la famille cheminote, qu'elle soit active ou retraitée, quelle que soit votre place que vous ayez dans l'entreprise, c'est tous ensemble qu'on participe aux activités sociales, et c'est tous ensemble, c'est tous les cheminots que nous défendons dans le cadre de notre activité économique au sein du comité central face à la direction. Je vous remercie d'être présent parmi nous, d'avoir accepté notre invitation. Je vous félicite pour votre roman, et puis je vous souhaite longue vie et longue écriture pour notre plus grand plaisir. Merci à vous. Là, c'est vraiment un prix avec des gens issus du, ben, comme moi, quoi, qui viennent du monde du travail. Il y a des gens qui lisent, qui aiment la lecture, qui ne vous connaissent pas, qui lisent uniquement, qui vont vous juger uniquement sur votre livre. Et ça, c'est très, très touchant, vraiment. Et ça me touche beaucoup, parce que pour moi, c'est vraiment ce genre de prix qui m'intéresse. Écoutez, je me bats pour l'écolo au CCGPF. Il y a plus de 100 pupilles qui partent grâce à l'ONCF. Il y a 130 pupilles qui partent au séjour 18-25 ans avec le CCGPF à l'étranger. Ils sont allés en Islande cette année. Et je pense que c'est important. Et quand je vois qu'on supprime des colos dans certaines entreprises pour faire les Jeux Olympiques, où je pense qu'il n'y a que les riches qui pourront aller voir les Jeux Olympiques, sur le prix des places, ça ne sera pas pour nous. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et je pense que c'est important. La couche du lot avec les bombes dedans. Oui, t'as les fantômes, fous-y un coup de râteau dans l'eau. Même ça lui fait pas bien. Il dit qu'il est trop triste. J'ai jamais bien pigé. La différence.
tu es vautueux. Mon idée en ayant choisi ce thème, est-ce qu'on est responsable de ses propres malheurs, c'était vraiment de réfléchir avec vous sur un phénomène qui est quand même fascinant. C'est celui de la résignation. 90% de la presse française, je le répète, 90% sont possédés par 9 milliardaires. Voilà. Et il faut savoir un deuxième chiffre, c'est que 80% des recettes publicitaires, dont vous savez à quel point elles font vivre les médias, 80% proviennent de 20 entreprises, Lidl, L'Oréal et compagnie. Donc vous avez d'un côté 20 entreprises qui font 80% de la pub et 9 milliardaires qui tiennent 90% de la presse. Aujourd'hui, où sont les patrons? Où sont les dirigeants? C'est devenu infiniment plus flou. Chaque fois que vous prenez quelqu'un et que vous lui dites « c'est toi le responsable », il dit « ah ben non, c'est pas moi. Moi, je ne suis qu'un petit maillon de la chaîne. Les responsables sont ailleurs. Mais où sont-ils? Ils sont à Bruxelles, ils sont à New York, ils sont où ?» Bon. On a réussi aujourd'hui à rendre tout absolument insaisissable. Plus rien n'est localisable.